Bonjour tout le monde, nous accueillons maintenant les élèves du CIMIF de Montréal, Orlan et Victoria, qui vont nous présenter le problème proposé par Gilles, qui est le plan du métro. Mesdemoiselles, je vous laisse prendre la parole. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le plan du métro qui est un projet de Gilles. L'introduction, on va vous la lire. Donc, on veut relier un nombre n de stations de métro par des lignes en respectant les règles suivantes. Si on choisit deux stations A et B quelconques, soit il existe une ligne entre A et B, soit il existe une station C avec une ligne entre A et C et une ligne entre C et B. Donc en fait, ça veut dire que si on veut aller à B, soit on emprunte un chemin direct, soit il y a juste une station entre les deux pour les relier. Et pour toute station, il existe au maximum des lignes qui la relient à d'autres stations. Donc par exemple, pour l'exemple du quadrilatère ABCD, il y a un nombre n de stations, donc 4 stations, avec 2 lignes qui partent de chaque station au maximum. Et pour l'autre, c'est un nombre n de stations, donc 6, avec 3 lignes qui partent de chaque station au maximum, au minimum. Pour le problème numéro 1, il fallait trouver un plan avec 12 stations et 4 lignes qui partent de chaque station. Donc voici notre résultat. On a trouvé ça et on l'a comparé à une boîte pour le comparer à quelque chose de concret. Et voici nos essais. On a essayé par tâtonnement pour trouver nos résultats. On a essayé d'abord avec la théorie que les stations devaient former des triangles, ensuite avec les stations qui devaient former des hexagones, avec des stations qui devaient former des carrés, puis des carrés enroulés. Ensuite, pour le problème numéro 2, il fallait un nombre, enfin, pour 8 stations et 16 stations, il fallait trouver le nombre d minimal de stations, donc le nombre de lignes minimales qui partaient de chaque station en respectant les règles. Donc on a pris le plan de métro pour 12 stations et on a pris juste les 8 stations du milieu. Et donc, on a trouvé notre plan. Donc, pour 8 stations, c'est un nombre, enfin, c'est 3 lignes qui partent de chaque station au minimum. Puis, pour 16, on a procédé dans un rond où on a placé les 16 stations sur le cercle. Puis, on a relié, par exemple, le S à G parce qu'on pouvait se rendre directement de S à D et S à L à W en respectant les règles. Puis on a aussi relié à l'opposé, à la station opposée. On a cependant essayé de trouver d'autres plans car il n'est pas possible de construire dans la vraie vie des lignes de métro qui passent par le même endroit. Ensuite, là, on a trouvé un autre résultat pour 8 stations et un nombre 3 de lignes qui partent de chaque station pour vous montrer que on a trouvé des résultats, mais ce ne sont pas forcément les seuls qui existent. On peut en trouver d'autres. Petite parenthèse. Le plan de métro de Moscou permet de se rendre d'une station à une autre en changeant de ligne maximum une fois. De ligne maximum une fois. Mais
Mais les stations ne se croisent pas en un même point. Au lieu de cela, ils ont fait un cercle qui permet, si on a toute une difficulté de changer de station, qui permet pour sûr de respecter la règle qu'on change de ligne seulement une fois. Ah, ça, c'est les essais pour ces stations. Donc là, on voit que cet essai ne fonctionne pas car on ne peut pas passer de cette station à celle-ci en respectant les règles. Donc, voici plusieurs autres essais. Alors, problème numéro 3. Si on a 4 lignes qui partent d'une station ou 5, combien de stations au maximum peut-on mettre en respectant la règle qu'on peut se rendre de n'importe quelle station à une autre en deux fois, donc en passant par seulement une station. Alors, on a supposé que si pour 8 stations, on a 3 lignes qui partent d'elle maximum, et pour 12 stations, il y en a 4. Alors, à chaque 4 stations qu'on ajoute, on ajoute une ligne qui part d'elle. Donc, on a supposé que pour 5 lignes partant de chaque station, au minimum, On peut faire. On peut faire 16 stations. Alors, problème numéro 4. Trouver les relations qui existent entre N et D pour que le plan de métro puisse être créé. Alors, pour trouver D en connaissant N, nous avons remarqué que si on divise 16 par 4 et qu'on ajoute 1, on obtient 5. Ce qui correspond à la diapositive précédente où on a dit qu'avec 16 stations, on a 5 lignes. Ici, on remarque que pour 8 stations, on a 3 et pour 12, on a 4 lignes. Donc, nous divisons 12 par 4, nous ajoutons 1, nous avons 4 lignes qui partent. Nous divisons 8 par 4, nous ajoutons 1, nous avons 3. Donc, pour trouver D en connaissant N, il faut diviser N par 4 et ajouter 1. Pour trouver N en connaissant D, il suffit d'inverser la formule précédente et on obtient N majuscule égale 4D moins 4. Ensuite, un autre problème qu'on s'est posé, c'est trouver D en connaissant petit n. Attention, cette fois, petit n est le nombre de stations non multiples de 4. Avant tout, on voudrait dire que, il y aura toujours un nombre pair de stations non reliées au maximum, parce que s'il y en a une seule, par exemple dans notre cas A1, alors une autre station comme F1, sera relié avec 5 lignes, ce qui ne respecte plus les consignes. Donc, il y a toujours un nombre pair de stations non reliées au maximum. Cela nous amène à vérifier une théorie. Alors, si on a 9, 10 ou 11 stations, nous avons trouvé des plans de métro. Où quand il y a 9 stations, il y a 4 stations avec 3 lignes, toutes les autres sont avec 4 lignes. Avec 10 stations, nous avons 2 stations seulement avec 3 lignes, les autres sont avec 4. Et avec 1 station, il n'y a aucune station avec 3 lignes, toutes sont reliées par 4 lignes. Cela nous amène à la conclusion suivante. Donc, ici, nous avons fait comme une sorte de schéma pour illustrer ce que nous avons trouvé. Donc,
6 petits L, donc les stations non multiples de 4, donc 9, 10, 11, 13, si N, petit N est inférieur à grand N, dans notre cas, nous avons pris 12. Si petit N est inférieur à grand N de 3 stations, alors il y a 4 stations avec le nombre de lignes qui correspondent au grand N avec moins. Donc, j'explique plus précisément. Si nous avons petit N qui est inférieur à grand N de 3 stations, donc 9 est inférieur à 12 de 3, parce que 12 moins 9 égale à 3, donc il y a 4 stations avec les lignes qui correspondent à grand N moins 1. Donc on a 4 stations avec 4 moins une ligne, c'est-à-dire 3. Donc si petit n est inférieur à n à grand N de 2 stations, là nous avons, donc ça veut dire que nous avons 2 stations avec 4 moins une ligne, c'est-à-dire 3 lignes. Si petit n est inférieur à grand N de 1 station, ils partagent le même nombre de lignes qui partent de chaque station. Merci de nous avoir écoutés. Bien, merci à vous, surtout pour la présentation. J'avais quelques petites questions à vous poser. Dans sa présentation, en fait, Gilles nous explique qu'il a rencontré une élève de 6e qui a réussi à faire le schéma avec grand N égale 12 et petit d égale à 4 en une heure. Est-ce que vous savez combien de temps vous avez mis pour le réaliser, ce schéma-là? Est-ce que vous en souvenez? Ça doit être l'un des premiers que vous avez fait. Je crois que nous avons mis beaucoup de temps à le faire. D'accord. Donc, la prise en main de la problématique a été longue quand même. Vous avez utilisé quel logiciel pour réaliser les dessins là? GeoGebra. D'accord. Vous l'aviez déjà utilisé avant, GeoGebra? Oui. Oui. Et là, vous avez appris des nouvelles fonctionnalités de GeoGebra pour faire tous ces dessins, tous ces graphes? Non. Non, vous avez utilisé normalement. Ok. J'avais une question également. Tout à l'heure, vous nous montriez que vous arriviez à déterminer le nombre de stations maximales petit d lorsque c'était des nombres multiples de 4. Et vous nous avez montré après qu'il y avait des résultats pour grand N égale à 9, grand N égale à 10, grand N égale à 11, avec le nombre de stations qui possédaient 4 liaisons ou 3 liaisons. Est-ce que vous avez essayé de faire la même chose pour après 13, 14 et 15, pour voir si vous aviez les mêmes résultats encore qui revenaient? Nous n'avons pas essayé. On n'a pas vraiment eu le temps non plus. Oui, j'imagine. Ça a déjà été un gros travail de faire tous ces schémas et ces réalisations. J'avais aussi une autre question. Par rapport à ce que vous avez cherché, est-ce qu'il y avait des questions encore qui restaient un peu en suspens et vous auriez dit qu'il vous fallait peut-être un peu plus de temps pour trouver une solution, trouver un début de réponse? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez encore envie de chercher dans ce problème? Oui, moi personnellement, j'aurais envie de chercher encore parce que je n'ai entendu que ce matin sur les théories de graphes. Donc, j'aurais aimé encore ajouter des solutions utilisant la théorie de graphes. D'accord. Ben on va demander à Gilles s'il n'a pas un petit problème sur les graphes encore l'année prochaine alors. Ok. Et je voulais savoir, vous êtes contente de votre expérience? Vous comptez vous réinscrire à Matangine l'année prochaine? Oui. En tout cas, je vois que vous êtes très motivé par la théorie des graphes. Eh bien, écoutez, je vous souhaite félicitations pour votre exposé. Je vous souhaite de bonnes vacances puisqu'on arrive tous en fin d'année. Et j'avais une petite annonce pour Matangine, en fait, pour nos auditeurs. C'est que la réunion va s'interrompre jusqu'à 13h, heure de Montréal. Et donc, elle reprendra donc, à 13h, heure de Montréal et à 10h, heure de Los Angeles. Mais je vous remercie. Félicitations au CMIF et à Orlan et Victoria. Merci bien. Merci monsieur.